Dans la question du Sahara, le Maroc peut compter sur la France, qui le considère comme un partenaire stratégique fiable, a affirmé Bruno Fuchs, député de la majorité présidentielle. La position américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara est une très bonne initiative et un mouvement qui peut être vertueux et qui doit être poursuivi, rapporte Bruno Fuchs. Pour le membre de l'Assemblée nationale, la France continue de considérer le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme une solution juste, réaliste et durable pour résoudre le conflit du Sahara. Pour le député de la majorité présidentielle, la décision américaine est une façon de faire un pas très important vers la résolution de la question du Sahara et qui aura des conséquences positives sur une partie d'autres sujets comme la stabilité et la prospérité de la région sahélo-saharienne. La reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara est un point très important, une étape essentielle vers une pacification de la région, mais aussi une reconnaissance qui aurait des répercussions sur des conflits au Sahel et au Moyen-Orient avec la résolution du conflit israélo-palestinien, a-t-il estimé. Cela aura certainement, c'est mon vœu le plus cher, des conséquences sur le conflit palestinien. C'est une façon aussi de faire bouger un peu ce conflit puisque le Maroc reconnaît l'État palestinien comme la France et donc le fait de rétablir des relations avec Israël peut être un facteur dans les mois et années à venir vers une résolution là aussi très ancienne d'un conflit qui n'a que trop duré, conclut le député français.